j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer le junk que j'ai préparé pour un échange avec Myriam de la chaîne Estelle Channeling. Donc, normalement, le thème, c'est voyance. Bon, vous allez voir que je suis un peu partie. J'ai élargi le thème, on va dire. Donc, le devant, comme d'habitude, j'ai fait des pendouilles. Vous savez que moi, les pendouilles, j'adore. Donc voilà la couverture. Ici, j'ai remis également de la pendouille. Voilà. Et j'ai commencé par une première partie du junk que j'ai appelée mysticisme. Voilà, où je lui ai mis tout ce qui était mystique. Voilà, croyance, tout ça. Donc, je lui ai fait cette page. Ici, sur l'ange Michael, ou Michel, voilà, qu'elle aime énormément. Donc, voilà, je lui ai fait une petite carte. Là, ça fait une pochette. Attendez, j'essaye de me caler mieux. Voilà. Ici, j'ai fait cette petite pochette en papier végétal. Voilà. À l'intérieur, un petit endroit pour écrire. Ici, je lui ai fait une pochette. Voilà, avec à l'intérieur un tout petit carnet. Voilà. Ensuite, nous avons cette page sur Sainte Thérèse, voilà, avec ça, c'est une enveloppe, une toute petite enveloppe que j'ai fait moi-même. Voilà, ici sur Sainte Anne, avec une petite carte. Ensuite, on passe sur cette page de la Vierge Marie avec un tag. Et ici, une pochette avec une carte. Ici, une page, enfin, un volet, on va dire, fait avec une enveloppe, un endroit où elle pourra écrire des choses. Et j'ai terminé par Sainte Rita avec un petit calepin. Voilà, je fais un petit calepin. Et ensuite, voilà, j'ai fait en 3-4 parties. Voilà, ensuite, on passe à la partie clairvoyance, où là, j'ai mis tout ce qui avait sujet avec la voyance. Donc, cette page avec des tags et une petite zone d'écriture, ça s'ouvre comme ça. Cette page sur la boule de cristal, pareil, qui s'ouvre, je lui ai fait une petite boule de cristal checker. Également une pochette avec à l'intérieur un tag. Voilà, cette page, c'est moi de cette interruption. Donc ici, c'est la page sur le pendule. Donc j'ai fait un petit pendule, un tag très coloré, je lui ai mis une roue. Voilà. Une petite zone d'écriture. Ensuite, la voyance dans le marc de café. Donc, pareil, un tag. J'ai fait ça avec de l'encre. Je lui ai vieilli un petit morceau de papier pour une petite note. Cette page sur les lignes de la main. Voilà. Celle-ci sur les runes. Voilà, j'ai fait une petite pendouille ici, j'ai mis des cartes là, j'ai fait un petit trombone altéré et un petit carnet également. C'est un carnet qui s'ouvre comme ceci. Voilà, histoire de changer un peu. Ici, encore des cartes. Là, j'ai fait une page sur les astres, les signes astrologiques. Ici, un marque-page.
Et ici, sur les signes astrologiques chinois, pareil, une petite zone pour écrire, une petite roue avec les anniversaires, enfin les signes. Et on passe à la page des anges. Donc, voilà, ici, je lui ai fait un petit ange qu'elle pourra suspendre où elle veut chez elle. Un tag. Voilà, j'ai fait ça avec de la dentelle. Ici. Voilà, voilà. Ici, un trombone altéré. Cette deuxième page, c'est pour les petits anges, les anges enfantins avec une enveloppe. J'ai mis ici un petit scratch et je lui ai mis à l'intérieur des petits embellissements qu'elle pourra utiliser. Ensuite, on a cette page sur les anges gardiens. Voilà, avec deux cartes. Voilà, une pochette que j'ai mis en angle. Et j'ai vieilli un papier. La page suivante, c'est encore sur les anges. Voilà. Ensuite, la page suivante, ce sont sur les anges encore. Hein. De toute façon, c'est la page des anges, donc je lui ai mis les cartes avec les anges principaux. La liste des anges. Pareil ici, donc j'ai fait avec des enveloppes. Voilà, j'ai glissé à l'intérieur des cartes. Voilà, donc une carte et une petite carte vide sur laquelle elle pourra écrire ce qu'elle veut. La même chose ici. Pareil, une petite carte. Et voilà, 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 voilà. Pareil ici, une petite pendouille qu'elle pourra détacher si elle veut et accrocher où elle veut. Une zone de texte ici. Et voici sur la dernière page, donc ici une petite carte, un petit carnet. En fait, j'ai fait plein de petits calepins, j'aime bien. Ici, c'est un filtre à café. Et j'ai fait une partie sortilège. Voilà, avec tout ce qui est sorcellerie, voilà. Donc là, j'ai fait la première page avec une pochette arrondie, deux tags à l'intérieur, un trombone altéré, des perles. On aime ça, on aime ça. Ici, j'ai fait une page sur les potions, ouais, les potions, les trucs qui soignent et compagnie, les plantes. Voilà, un papier vieilli également où elle pourra écrire ses recettes. Une page sur le filtre d'amour avec une carte et encore une pendouille pleine de paillettes. Voilà. Hop. Ici, j'ai fait un petit sachet de thé. À l'intérieur, j'ai mis des petits strass qu'elle pourra le récupérer. Cette page sur l'arbre de vie. Il est énorme, ce truc. Voilà, une zone d'écriture et taille. Ça se décolle un peu. Une page sur les mandalas avec à l'intérieur un calepin. Et puis voilà, pour terminer, des pages sur le pouvoir de la lune. Là, les quarts de lune, les demi-lunes, les pleines lunes, un petit trombone altéré. Et puis ici, sur la magie, hop, avec à l'intérieur des petites cartes. Il y en manque une lune. D'ailleurs, je la cherche. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue quelque part. Voilà, sur les petites cartes de sorcellerie, n'est-ce pas?
Hop et hop. Et une dernière page sur les journaux anciens. Sur, voilà. Les sorciers, les sorcières et compagnie. Voilà, les amis. Eh bien, j'espère que ça va lui plaire. Voilà, en tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous donnera des idées pour vos junk. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!